Autre actualité, connaissez-vous la science des données, cette discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques, de statistiques et d'informatique a été expliquée récemment au grand public, une initiative conjointe de trois institutions ivoiriennes et françaises, notamment l'École nationale supérieure de la statistique, l'Institut national polytechnique au Foy de Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique de Paris. On en parle avec Safia Koulibaly et chaque connaît. Quasi inexistante il y a quelques années dans les programmes d'enseignement supérieur ivoirien, la science des données est davantage mise en lumière. Et aujourd'hui, cette filière prend en compte plusieurs disciplines, dont l'étude des bases de données, qui a un vaste champ d'application. La science de la donnée s'applique sur des données qu'on pourra appeler de type massif, qu'on appellera aussi big data. La science de la donnée permet aussi d'appliquer les outils qu'on appelle aussi analytiques. Donc voilà, donc c'est comment analyser les données qui sont collectées, la masse de données collectées. Et la science des données aussi permet aussi de pouvoir travailler sur les questions qu'on appelle intelligence artificielle. L'un des partenaires de cette cérémonie prévoit des actions imminentes pour l'apprentissage de cette science par les étudiants. Au niveau des étudiants, surtout de l'école, nous avons, en collaboration avec l'NCA, créé un club de data science. On va leur offrir donc des cours en data science qui sont gratuits pour l'université. Nous avons des salles qui sont bien équipées, des technologies, des formateurs qui sont prêts à les assister. Et donc ces opérations-là devraient commencer dans un mois. Cette plateforme a donné aux étudiants de la première promotion du Master Data Science l'occasion d'échanger avec les professionnels du secteur et de montrer également leur savoir-faire. Les données se trouvent dans tous les domaines, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue de l'entreprise, dans le domaine de la société. En France, on a pu voir les data scientists qui ont pu donc développer des algorithmes qui aujourd'hui arrivent à fluidifier le trafic routier. Et donc c'est un domaine assez important pour la société. La science des données s'adapte à l'évolution technologique car elle intervient dans toutes les opérations faites par le biais du numérique.